booster l'économie de la République démocratique du Congo pour améliorer les sociales de la population reste un des objectifs majeurs que s'est assigné le Premier ministre et son gouvernement. C'est dans cette optique que Jean-Michel Samalou Kondé Kiengé a conféré avec les CEO du groupe Glencore en RDC. Le numéro 1 d'entre les Warriors a tenu à s'enquérir de l'évolution des opérations de cette multinationale à travers ses entreprises minières Kamoto Copper Company et Mutanda Mining implantées dans la province du Lualaba. Monsieur Ivan Klansenberg, qui a apprécié à sa juste valeur sa rencontre avec le chef du gouvernement, a assuré de l'apport de ses entreprises à l'augmentation des recettes en taxes et royalties au profit du budget de la RDC. Katanga and Mumi, and he was very happy that the operations are. Nous avons rencontré son Excellence Monsieur le Premier ministre pour le mettre au courant de nos activités de KCC et de Mutanda Mining ici en RDC et tout se passe bien. Voyant le cours des prix du cuivre et du cobalt, nous pensons qu'effectivement ça va bénéficier au pays et nous paierons plus de royalties et de taxes au pays. Ce n'est pas la première fois que je rencontre le Premier ministre. J'ai eu à le rencontrer quand il était à la tête de la GECAMINE. C'est quelqu'un que j'apprécie bien et qui supporte très bien et qui connaît notre industrie. Donc je suis très contente et heureuse de l'avoir comme Premier ministre. Il convient de noter que cette rencontre s'inscrit dans la dynamique que s'est assigné le gouvernement Samalou Kondé de mobiliser les industries extractives minières à maximiser les activités minières en vue de soutenir l'économie nationale. Ce, au regard des tendances actuelles qui affichent une nette embellie des cours des métaux majeurs à l'international.